Bonjour, Mwanamboka. Bonjour, de vos journalistes. Mwanamboka, Bimboka, République démocratique du Congo, à toi, moment où tout bêtement, sur l'Italie politique, il y a République démocratique du Congo. Bimboka, vous avez dit, et pension, vous voyez, situation sécuritaire, où ils ont les Kanakati, il y a République démocratique du Congo, particulièrement la partie Est, il y a République, Boni, Mboko, c'est quoi, moi, ni malgré tout, encore en Nairobi, et aussi, tout route, par retomber dans le bientôt, tout le Koyango. Mais bon, bon, pour l'instant, parti Est est autant blindé de mon amour. Merci, Ndeko journaliste. La Bansi, sur le plan sécuritaire, la République démocratique, précisément dans l'Est de la République démocratique du Congo, et Sengelo a été, Tata Mukonzeko, la Zali déterminé pour la Kokokisa, la première mission principale, où ils allaient la paix, rien que la paix, à l'Est du pays. La Bansi, le chef de l'État a été clair. La ministre Menae Albi, pour Nangaï, je vois aucune importance de dialoguer avec les touristes du M23. Ma compromis, c'est que dans Luanda, il y a une dissolution des terroristes du M23 dans le sol congolais. Mais tu as compris que, dès lors où il y a un M23, si j'ai de bons souvenirs, il y a aussi un rapport à l'élu. Et c'est que les terroristes du M23 va quitter le sol congolais. Mais tu as compris que, ceux qui ont été soutenus, pas qu'ils sont soutenus par les impérialistes de mauvais goût. Tant que tu as les impérialistes de mauvais goût, tu as vu comme la France, tu as vu comme quelques pays où les terroristes M23 dans la République de Rwanda. Mais moi, ce que chef de l'État, tant que tu as la conférence de presse, dans homologue né à Kenya, qui était mon pays est en train de subir une agression injuste et barbare de la République de Rwanda. Si aujourd'hui, au M23, il y a un peu de courage, il y a qui, soit disant ce qui porte parole, il y a M23, c'est une déclaration. Comment on a un bon. Tant que je suis au Bakke, mon colo est à 18h, R est à 18h, je suis au Loba et M23, il y a un territoire congolais, particulièrement la partie Est, il y a un peu de bon. Par rapport à va retomber tout va faire des routes il y a menu sommet à Luanda et si que le barque ba M23 va pousser na ngambo ya frontière ba groupe CAC et oyokoya pour na kutcha kimia ça le comme on a comme zone tempo est-ce que wande ko mona il y a des solutions oy ba imbo ba ko contenir makasi ming pour na kimia ngwana. Cela veut dire faire des assises contrôle la République et la partie Est, mais juste une temporisation. Est-ce que vous avez dit parmi la solution, mon amour, pour le reste, pour le reste, par rapport à Luanda? Dans la base, tant que l'armée régionale est en train de dans la République démocratique du Congo. Ce que l'on a des charges, c'est que l'on a un partenariat avec la République démocratique du Congo. Armée régionale. Il y a une offensive, il y a un observateur qui est venu. Non, ce n'est pas une offensive. Il y a un temps, il y a un temps, il y a entre les terroristes et M23, comme nous avons dit, ce n'est pas offensif. Non, comment ça? Le point, mes amis, selon l'accord, il y a un accord. Et c'est une zone neutre. Zone neutre. Où il y a des terroristes. C'est-à-dire, on a sauté. Dans la superficie de la République démocratique du Congo, 2 345 000 km², on a la superficie de la République démocratique du Congo. On a sauté la République démocratique du Congo. Et puis, l'armée régionale, le gouvernement a tempo pour permettre le massacre de la sauté. Mais la cahier des charges a été signée récemment dans le président du Kenya. Il y a été armée régionale. Mais on a observé qu'il faut travailler à partenariat faire des au travail partenariat faire des ngolo banini Bamboulombo le peuple belin va être sur la bonne unité. C'est pour te dire que armée régionale est à qui dans l'unité. Tant que tu as l'air qu'il faut bêter comme il se doit. Le point, c'est que armée régionale, parce que tu as mis la carte, il y a
Union africaine. Toi, tu as la Lingomba ya EAC. Afrique, par quel mécanisme tu as un dialogue pour que la paix durable soit dans la République démocratique du Congo. Mais bien sûr, la République démocratique du Congo, tu as signé loi au Bahou, tu as signé l'Assemblée nationale. On ne peut jamais, jamais dialoguer avec les groupes terroristes. Ndenge bali wana M23 bali ba rebelle no karaté ba pe bazali ba terroriste M23 biso de to ali boye quel que soit to ali na kati union africaine quel que soit to ali na kati EAC to lobi non au dialogue avec les terroristes M23 mais le problème ezali nini le chef de l'état azali dictateur c'est un homme azali rempli de l'amour et de la compassion à chaque fois ba homologue nae ba kobe nae pour na matel ko luka kimia à l'est du pays, il est obligé de répondre à l'invitation. Mais quel que soit qu'on réponde à l'invitation, mais le chef de l'État est déterminé pour accomplir sa première mission principale, la paix, rien que la paix à l'est du pays. Moi, je suis encore en le chef de l'État a trois missions à la tête de la République démocratique du Congo. Là où est venue la jalousie. J'ai de bons souvenirs en 2019. Le chef de l'État a joué comme un pour la toute première fois dans le 74e sommet des Nations Unies. C'est là où le chef de l'État a montré trois missions principales à première mission, on a la tête de la République démocratique du Congo. Il y a un peu de pays qui met le peuple congolais. Il y a un peu de pays qui développe le Mboka. C'est là où est venue la jalousie, la haine. Parce que si aujourd'hui la paix revient dans l'est du pays, l'impérialisme de mauvais goût coupe la banque ici. Si aujourd'hui la sécurité règne sur l'ensemble du territoire national, l'impérialisme coupe la banque ici. Si aujourd'hui le développement et côté dans la République démocratique du Congo, pour les impérialistes, Moussa Labango et Sili. Le chef de l'État a reçu trois missions principales où ils allaient la paix, la sécurité et le développement. Mais qu'on le veuille ou pas, Banamboka et l'Est de la République démocratique du Congo, d'ici fin de l'année, Bakozoa Kimia Labango à 100% à l'Est du pays. Merci beaucoup, Banamboka. Comme nous l'oublions, chef de l'État, mission au Tanguana. Insistance ou résistance, il y a un peu de jusqu'à maintenant dans le territoire de la République du Congo. Que pensez-vous? Les journalistes, c'est la banzie, c'est la liba pour amiquer. Quand les gens sont soutenus par les impérialistes de mauvais goût, mais je tiens à vous informer. Quand il y a des charges, où il y a des gens qui sont mis à Luanda. Mais la résistance du M23. Résistance, c'est la résistance de Bahawa. Résistance, c'est la résistance de Bali qui représente le côté. Ce qui est là, mais comment tu fais pour qu'on ait un peu de temps? Parce que nous avons le fameux communauté internationale. Nous sommes tous les propres frères de la République démocratique du Congo. Mais il y a un impérialiste de mauvais goût. Il y a l'Assemblée qui a soutenu Tata Mukonzekolo pendant la journée. Mais pendant la nuit, il y a un par quel mécanisme pour déstabiliser Tata Mukonzekolo. Au moins, il y a un tout ce monde qui m'a dit jusqu'à preuve du compte des Alikoyate. Mais je tiens à vous informer, avion qui a mon corps, mon qui est entre Fortier, République démocratique du Congo, Rwanda, mon qui République à Rwanda, je tiens à vous informer, avec Fatih Beton, la paix régnera à l'est du pays. Pour que nous sommes amis, nous sommes en Rwanda. Superficie, laissez-moi évoluer de côté. Superficie, nous sommes en Rwanda. Nous sommes en Rwanda. Dialogue avec les terroristes avec toi, pas question des autres arrêts de la République démocratique et c'est une bande à Bissot Bazanakima. Mais pour nous, nous avons une résistance, elle est résistante, soutenue, la République à Rwanda, français. Mais je tiens à vous informer d'ici fin de l'année, le chef de l'État va accomplir sa première mission, c'est la paix, rien que la paix, sur l'ensemble du territoire national. Vous n'avez pas de la libérer. Mais pour votre information, Kiwacha, Kibumba, ils ont récupéré déjà ma boucle. Il y a un phare de Sambo qu'on a bissou. Mais pour la Bounakan, il faut expliquer aux téléspectateurs bien. Bounakan, ils ont mis une grande majorité de Congolais. Tu n'as jamais foudoyé ou bien que tu as des autres pour te récupérer. Tu as un peu de temps par rapport à Bounakan. Toujours la stratégie pour permettre Bissot de pénétrer directement dans Boudakana pour que ma perte de la vie s'y mène les années. C'est la raison pour laquelle
Moi, je suis chargé des opérations Chico Madina, l'homme de Madina, Chico Chitambo, qui a récupéré le territoire à Madina. 20 ans après, il y a un bastion, il y a un terroriste M23, mais grâce à la nomination de Tatamou Konzekolo, Chico Chitambo a récupéré le territoire à Madina 20 ans après. Je tiens à vous informer, d'ici fin de l'année, Oroyo Kabunagan vous a prise en otage par la FARDC en Burkina Faso. Tout le cas, stratégie à Makassi pour permettre à la République démocratique du Congo de récupérer pour perdre ta vie humaine et Zalati. Comment vous avez voir, comment vous avez en train de voir à port y a Ouganda dans la situation sécuritaire et sur le processus de gouvernement. Est-ce que à la port Ouganda est sincère parce que d'habitude moko imboka au bébé bazar pays qui se n'a pas douté y a Ouganda parce que bah il est bien mais il se fait de sa frapper bah qui m'a organisé là Ouganda à port il a tellement ouvert pour nous accueillir bah il est un peu trop n'anga pas Ouganda. Comment vous êtes en train de voir arriver un militaire ougandais dans son arrivée démocratique? Est-ce que vous portez une solution dans le cas de l'Imboka? Je suis un de journaliste, je suis un collaborateur. Je comprends bien. Je suis un peu de troupes ougandaises, je suis un troupe kenyan. Je suis en République démocratique du Congo. Tu as une petite Kenya parce que tu as été en train de me faire un peu de Ouganda. Ouganda, j'ai été en train de me faire un peu. Ce sont des hypocrites. Il y a Africain, il y a EAC, il y a une bonne foi. Mais je tiens à vous informer là-bas. Si aujourd'hui Fatih est devenu président de la République, il y a des bisous. Ils allaient Kenya. Ils allaient l'Égypte, ils allaient les États-Unis d'Amérique. Non, il n'y a pas eu un contrat signé entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Non, il n'y a pas un contrat. Ce n'est pas le 24 janvier 2019. Ça fait maintenant 3 ans, si j'ai le bon souvenir, au Fatih Beto, président de la République. Ce qui est contrat, il n'y a pas le Sabiso. Revenons à notre mouton. Pour nous, armée ougandaise, Bissot République démocratique, Bissot la souveraine primaire. Tout le monde est bon, il est bon. Parce que hypocrite pendant la journée, il dit que ça semble que parce que la compassion bolingo y a République démocratique, mais pendant la nuit, parce que par quel mécanisme y a déstabilisé République démocratique du Congo. Boye na bango tout le monde est important sa moitié. Armée régionale à Kenya, baye na cahier des charges na bango baye le bani. Toye pour na paix durable dans l'est du pays, pour être armée kenyan. L'armée de la République démocratique va travailler en collaboration avec un seul objectif. Avec un seul objectif. Pendant la République démocratique, Le fils biologique, il y a l'actuel président, il y a Ougandais, Museveni. Bazali, la même morale, il y a Paul Kagame. Souci de la Mongolie, terroriste M23, va demeurer toujours la seule commune. Comment expliquer aujourd'hui Rwanda, Bazane Iranium T, Bazane Coltan, mais le Bakumba, parmi les producteurs, il y a Makassi Iranium Coltan. C'est pour vous dire que ce qui se fait à l'est du pays, Rwanda Zanakati, Ouganda pas Zanakati. Il faut qu'on se le dise. C'est pour vous dire que Bissot souverain primaire, tout le monde est important, c'est mon côté à l'armée ougandaise dans la République démocratique du Congo. Toningi, ma partenaire au Bazali, clair, sincère et honnête. Mes partenaires ougandais. Qu'est-ce qui prouve que Nairobi est sincère avec Kinshasa. Mais pas ça sincère. Si aujourd'hui nous sommes arrivés au pouvoir, Tata Mukonzekola, le Baramoum, la prestation serment le 24 janvier, c'est grâce à l'Égypte, c'est grâce au Kenya. Parce que il n'y a pas eu encore une coopération. Il y a eu un deal. Quand l'ambition est allée, il y a eu un deal. 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 Non, il y a eu un deal. Mais ce qui est accord, ça fait maintenant 3 ans, tout le monde a accord. C'est pour vous dire qu'on ne vit pas dans des rimes, plutôt que dans des affaires. Ce qui est d'accord, c'est l'acceptation. Vous êtes toujours sincère, vous êtes d'accord, mon ami. Tu es toujours sincère, plutôt que dans l'hypocrisie. Mais tu es toujours dans l'aliment, dans l'aliment, à droite. Le problème des animaux, c'est que tu es dans l'état de droite. Quand tu as dit que l'état de droite, c'est le respect des textes. Mais tu es dans la République démocratique. Mais. Non, non, comment ça va, allez vous comment tant aux états de droit, est-ce que réellement il y a l'état de droit? Effectivement, je vous donne un exemple. C'est pour la toute première fois en histoire de la République démocratique sous Félix Antoine Tshisekedi, nous avons vu la dignité de la République démocratique du Congo condamné en prison. Sous Félix Antoine Tshisekedi, nous avons vu un ministre, un mandataire public
condamné sous Félix Antoine Tshisekedi. Tout le monde n'est pas à Kabila. Quand on voit que l'État des droits, ils ont existé sous Félix Antoine Tshisekedi. N'est pas à Kabila. Tant qu'il y a une dignité à mon corps, au Bakangaï. À ça, il y a 24 heures d'état dans la prison. Pardon? N'est pas à Kabila. Dignité à mon corps, au Kangaï. Au Bakangaï, à ça, il y a 24 heures. Il y a bien ce qu'on a 24 heures, il y a une justice, il y a un état de droit. Il y a un état de droit. Il y a déjà un état de droit. Il y a un état de droit. Laissez-moi évoluer. La caméra a bimé, il y a un état de droit. La caméra, il a été acquitté par la justice. Après avoir. Non, jusqu'à. Moni Bissot, Moni Batouba Ningi, chef de l'État, comment est-ce qu'il a influencé la justice? Batouba Kangaï, caméra, la justice. Buso, il est pèse, nous, on n'a rien à voir. Comment vous avez trouvé cette justice-là ouais, qui était caméra? Nous sommes censés de s'incliner parce que les décisions ne sont justice à besoin. Parce que tout ça, il y a quatre institutions. Non, normalement, particulièrement, il y a un moment où tout ça, il y a quatre institutions. Tout ça, l'institution président de la République, cours et tribunaux, parlement, et puis tout ça, il y a primatif. C'est que tout ça, il y a une attribution à Buso. Non, comment vous êtes normal. Aza normal. C'est tout à fait normal. On va juger que Aza a quitté. Aza n'a pas blété. Mais effectivement, nous sommes censés de s'incliner. Moi, 100 jours, ce que nous avons pété. On a l'habitude que c'est la justice. Nous avons apprécié la liberté totale. Mais comment tu fais chef de l'État Azoulba justice Aza vraiment à niveau. Tu vois, pour votre information, on a dit que l'homme a été dégoûté au Azoulba. C'est pour la toute première fois de l'histoire de la République démocratique du Congo. Un ancien directeur, il a régi des voies aériennes, ministre Blingui en prison, 20 ans de prison. Un ministre en fonction, il y a ville pour de Kinshasa, en charge de l'intérieur, et ancien où ministre. Où était Longondo? Loli Makambo en prison. Où était Longondo? Mais je te dis que justice justice a des points de mesure. Et des points de mesure. Où était Longondo? La justice élève une nation. Où était Longondo? Où est Vide Chimanga? On a vu sur Bouy. Mais à comparaître, si j'ai de bons souvenirs, les cinq. Après, deux jours en prison par Bibinaï. On a vu sur que Bissot, à travers notre président de la République, on ne peut pas influencer la justice. Tout ça, le régime à séparation du pouvoir. Déjà, Snell. Déjà, c'est déjà Bosco Kayombo. C'est la justice qui va faire son travail. Où est-ce qu'il est? Qui va faire son travail? Où est-ce qu'il est? Aza la liberté, Aza Libanda, ce n'est pas moi, ce n'est pas nous. Bisous la justice. Vous allez justice ça, Moussa Naé. Mais il y a un DG. Bon, bah, inspecteur numéro 1, Victor Djamba, il a EPST, condamné à 20 ans de prison. Il va me dire. Bah, tu es bien en prison, on n'a pas encore Kabila, tout le monde attend que tu merci beaucoup, Mme Boka. Tout bien, merci beaucoup. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en Italie, ma pronomie 2023. Je pense que vous avez obligé à vous dire que la place est à Baïkache. Cache. 2018, selon l'accord à Nairobi, je pense qu'il est toujours en vigueur. Non, Kamer est en train de rêver. Comment ça? Ali qui rêve parce qu'il y a juste la preuve du contraire, l'accord à Nairobi existe toujours. Selon yo. Mais laissez-moi voler de ce que je me dis. En 2018, il y a eu un contrat. Cache, c'est qu'il y a un contrat. Qu'est-ce qu'il y a dans le cache? Cap pour le changement. Cap pour le changement. Il y a une plateforme politique, toi, qui coalition, je ne sais pas. Il y a une plateforme politique, tu ça. Ils ont besoin de vous, ils juste pour ma problème. Mais tout va les acquis en haut pour permettre IDPS et INC de passer ensemble. Mais pour le bagage, le parti politique. Et le texte dans le cadre, c'est quoi pour les textes sur le cadre, il y a accord et cash. Accord et cash et le bagage. Il y a créé. Effectivement. Oui. Accord et cash et le bagage. Il y a accord et Nairobi. Nairobi, oui. Primative. Sur une cash. Il faut permettre que l'INC de passer primative. Ce qui. Dans une majorité, il y a le ministère des Finances. Et puis, il y a la Banque Centrale. Et puis, il y a le Cabo-Lana, quelques ministériels. Il y a encore un Nairobi et le Bakibongo. Mais jusqu'à preuve du contraire, tout le monde a contesté la FCC Cash. Tout ce qui a la majorité parlementaire, c'est pas aussi pour épingler que si peut-être il y a des soutiens, il dépasse.
na retope il dépense va soutenir INC. Et voilà Bondoki. Voilà Bondoki, permettez-moi de vous dire. Dis-toi que ça lit 37 ans de vie au Canada. Et bagi bongo te za na parti ya yani le bagi bongo te voilà bondo qui c'est la sorcellerie politique vous êtes en train d'élite lobby hein biso to alice to sali 37 ans d'élite qui des pèse qui la mal le 15 février 1982 ah on a sire pena biso vous tenir ta parti bongo te ya ya 2015 na lobby boy anse ah ça il est au pouvoir depuis quelle année moi je ne sais pas c'est vous c'est plus de 30 quelques années anse toujours au pouvoir ah ça la valité pourquoi le conseil vital quand même. Pourquoi le COSO? Pourquoi quel genre de mendicité avec Kamen? La mendicité? Mais je te dis, ça c'est la mendicité. Yo, bien, il faut que Kamen est le président du roi. Biso, il dépense. Il y a un INC. Il y a un assurance série. Dans l'INC, il y a un Bazali. Il y a un Vervo à Koufé, il y a un Mansir Bali. Laissez-moi évoluer. Ma tour n'a pas mort à l'INC. A ça, le sacrifice n'y a pas. Pour être à Komo à Koumé. Oh! Le sacrifice n'y a pas. Biso tout ça la mandat mon côté que la vidéo comme vous mais pour l'idée Anse il est au pouvoir ça fait maintenant plus de 30 ans. Il y a de l'action de l'action de pouvoir. Laissez-moi vous. Vous avez 37 ans d'élite, yo ben zéro à pouvoir. Kolobake mon le ko batba faiseur du roi ça c'est craché. Mais c'est le faiseur du roi il a suivi le pouvoir en Amboka. Yo ça 37 ans de pouvoir, selon sérieux. OK. INC ce qui Union nationale congolaise. Ils allaient implanter. Ils ont un militant ou un combattant ou un souffrant. Est-ce que le pouvoir pose un groupe de la militante ou souffrant? La priorité à parti politique est la rabouille. Conserver le pouvoir, conquérir le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible. Si Kamere est en train de rêver que l'un des quatre matins, il est sorti le bon conseil. On va conserver ses pouvoirs. Pendant combien de temps? De génération en génération, il dépasse le pouvoir. Donc, aujourd'hui. Vous allez confisquer cette pouvoir. Il dépasse ici. Le pouvoir demain. Bon, il dépasse confisquer le pouvoir. Mais le rôle d'un parti politique de l'INI, de conserver. Conquérir le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible. Kamere, non-respect à la Constitution. Azéla, peut-être, tu repasses quelques minutes. Non-respect à la Constitution. Non, il n'y a pas eu un contrat. Contrat au Kamere, à l'Iko Lobara. Et là, il y a aussi Lobara, on a confisqué le pouvoir, conserver le pouvoir. Non-respect à la Constitution. Dans le Biboué, on va conserver ses pouvoirs. De génération en génération. En génération. Parce que Anse. Ah. Après que c'est qu'il y aura Kabuya. Mais pourquoi pas? Après Kabuya, pourquoi pas? Anse fait ça. Mandela est parti, Jacob, Thabo Mbeki est venu. Après Thabo Mbeki, Jacob Zuma. Jacob Zuma, le tour la série. Là, pourquoi pas Jacob Zuma? Je l'ai expliqué. Tout le monde est un enseignant, fonctionnaire de l'État. Par rapport à Kabila, il y a un salaire de 138 000. Actuellement, un fonctionnaire touche combien d'argent? Un fonctionnaire de l'État. À combien véhiculer? Bon. À l'époque, à Kabila, bon, on ne sait pas combien véhiculer. À combien prise en charge? Mais laissez-moi évoluer. Ce problème, je vais dire, hein? Le peuple d'abord. Le peuple est bien de placer l'homme au centre de tout. Mais pour l'accord, on a un robin de Koulanga et Kamé, Atika Korévé. Atika Korévé, Bissot IDPS, hein? Nous avons fait 37 ans d'élite pour arriver au pouvoir. Et c'est toujours bon. Et ça rentre dans le pouvoir toujours bien grand. T'es toi bien grand, t'es Kamé, Aza faisait du roi, à Salah Bissot, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Kamé, en 2011. Il avait combien de pourcentages? Apostilat, il a combien de pourcentages? Et comment a-t-il dit pour ça? Bah, mais il est sérieux. On est en voie de le faire. Troisième avec combien de pourcentages? Si j'ai le bon souvenir, c'était 11%. Il y avait combien de candidats? Il y avait combien de candidats? C'est une goutte d'eau dans l'océan. Atika, qu'on brutalisait Bissot. Atika, le Koso, Atika, Bissot, Kimia. Bissot, la minute, il a toujours visé. Dengeni, Tata, mon conseil, là, vous allez réélire dans le deuxième mandat. Toujours viser Nengeni, toujours la majorité parlementaire et permettre à Bissot, tout ce projet des sociétés de Bissot, tout soit primatisé à Bissot, tout soit assemblée nationale à Bissot, et puis tout soit sénat à Bissot pour tout ce projet des sociétés comme il se doit à Tata Moukosego, le Félix Antoine Tshisekedi. Merci beaucoup, mon amboka. Tout bien, mais ce que je suis à Bissot, mon amboka. Merci. Maintenant, je suis à Nikoko, je suis à Bimbo, je suis à Bimbo, je suis à Bimbo, je suis à Bimbo. Moi, de la fin, je suis à l'Assemblée, je suis à Congolais, je suis à pour soutenir Tata Mukonzekolo, c'est notre frère, c'est notre sang, il fera mieux. Parce que dans le poto balobaka, il y a une différence entre bien et mieux. Mais Fatih Beto fera mieux. Il est placé au pouvoir aujourd'hui, il est placé au pouvoir demain, éternellement. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Bye bye, bye bye. Merci beaucoup. Merci. Il m'aura tes femmes là au PST, il m'aura tes portes au Zondéni. Coordonnées, nous avons besoin de contacter plus 243 81 99 18 606. Plus 243 81 99 18 606. Merci beaucoup. Merci beaucoup.